On a déjà travaillé sur les ronds. C'est un seul trait qui tourne, qui tourne, qui tourne, qui tourne, qui tourne, sans s'arrêter. Il n'y a pas de, il n'y a pas d'angle, il n'y a pas de sommet, il n'y a pas de coin. Ensuite, on a vu ces formes-là. Ce sont les triangles. Tu te rappelles? 1, 2, 3. Triangle. Parce qu'il y a trois angles. On dit aussi des sommets et trois côtés. Et si maintenant je te montre ces formes-là et que je te demande de mettre ensemble celles que tu penses qui vont ensemble. Alors dis-moi, qu'est-ce qu'on va mettre ensemble? Est-ce que, je les pousse un petit peu, on va prendre celle-là. Est-ce qu'on peut la mettre avec celle-là? Oui ou non? Dis-moi. Alors, regarde, elles ont toutes les deux quatre côtés. 1, 2, 3 et 4 et 4 petits coins. 1, 2, 3 et 4. Celui-là, c'est pareil. 1, 2, 3, 4 et les quatre coins. 1, 2, 3 et 4. Maintenant, ils ont quand même une différence. Regarde, celui-là, il a des petits côtés et il a aussi des grands côtés. Ça s'appelle un rectangle. Celui-là, ça s'appelle un carré. Il a quatre côtés aussi, mais tous les côtés font la même taille. Celui-là, il fait la même taille que celui-là, il fait la même taille que celui-là, il fait la même taille que celui-là. Donc, on ne va pas les mettre ensemble. Avec celui-là, on peut mettre celui-là, regarde. Celui-là aussi, il a les quatre côtés qui font la même taille. Celui-là aussi. Il a les quatre côtés qui font la même taille. Regarde, même celui-là qui est tout petit. Ça aussi, c'est un carré. Et puis, est-ce que j'en ai un autre? Oui, regarde. Celui-là aussi. C'est un carré. Il a les quatre côtés qui font la même taille. Alors maintenant, on va chercher, on enlève tout, et on va chercher les formes qu'on va mettre avec le rectangle. Alors il faut chercher les autres rectangles. Est-ce que celui-là, ça va? Est-ce qu'il a bien deux petits côtés et deux grands côtés? Oui, super. On met celui-là? Non, pas celui-là, parce que celui-là, les quatre côtés font la même taille. Alors non, on l'enlève. Et celui-là? Alors, celui-là, regarde, il a des côtés, c'est un très grand rectangle, mais il a quand même des côtés qui sont plus grands et ceux-là qui sont un petit peu plus petits. Donc ça, c'est bien un rectangle. On en cherche un autre. Tiens, regarde, celui-là. Ça aussi, c'est un rectangle parce qu'il a deux petits côtés et deux grands côtés. Alors, on le met avec les autres. Ensuite, est-ce qu'il y en a encore? Tu en vois, toi? Celui-là. Très bien. Alors, celui-là, regarde, il a deux petits côtés et deux grands côtés. Très bien. Celui-là? Non. Alors, on l'enlève. Ah, bravo, celui-là. Alors, regarde, deux petits côtés, deux grands côtés, c'est bien un rectangle. Est-ce qu'il y en a encore? Est-ce que tu en vois par là? Celui-là? Non. Ça, c'est un carré. Il a les quatre côtés qui font la même taille. Alors on l'enlève. Là j'en ai un. On le prend ou pas? Oui, parce qu'il y a deux petits côtés et deux grands côtés. Très bien, je vais le mettre là. Alors il nous reste ces formes-là. Celui-là, on le prend ou pas? Non. Alors je l'enlève. Celui-là, je l'enlève aussi. Celui-là. Ah oui, bravo. Il y a des côtés qui sont un petit peu plus grands que les autres. Ceux-là, ils sont plus petits. Il me reste celui-là. Non, ça c'est un carré, je l'enlève. Ça c'est un carré aussi. Et ça, c'est un carré aussi. Voilà, on a trouvé les rectangles d'un côté, avec des petits côtés et des grands côtés, et des carrés, avec tous les côtés qui font la même taille.